Vous savez, cette semaine est vraiment spéciale. Il y a des choses qui se préparent dans ta vie. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris, prépare-toi. Il va y avoir un changement. Changement temporel, changement surnaturel. Écoute bien ce que je te dis. Parce que dans le temps, là maintenant, il est en train de se passer une chronologie spirituelle. Dieu est en train d'établir des choses, je t'assure. Tu as intérêt, après le jeûne, à rester minutieusement dans la présence de Dieu. Je t'assure. J'en parle dès maintenant, nous sommes mercredi. J'en parle maintenant. Parce que je sais que vous allez avoir des propositions dès la sortie du jeûne. Je t'en prie, ne sors pas de sa présence. Même quand le jeûne va se terminer, sois à l'écoute de Dieu d'une manière spéciale. Prends en compte ce que je dis. Toi-même, déclare même sur ta vie, je ne passerai plus les mêmes journées. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est présent dans ce lieu. Vous savez, il y a un texte, on va le prendre. Adjé 2, verset 1 à 9. Si tu peux l'afficher. Adjé 2, verset 1 à 9. Je vais lire pour vous. Ouvrez bien les oreilles, l'entendement spirituel. Et moi, je vais lire. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Adjé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je vais vous parler en 15 minutes de 10 points. 10. La Bible déclare, vous savez quelle était la première maison? Est-ce que tout le monde sait ici quelle était la première maison? Est-ce que tout le monde sait? Ok, la première maison, en fait, c'est le grand temple qui avait été conçu de Salomon. C'était le temple, un temple extraordinaire. Si vous lisez un peu l'histoire de Salomon, vous verrez avec comment ils ont conçu ce temple, avec des pierres précieuses, etc. Et la gloire de Dieu résidait dans ce temple. C'est un temple, malheureusement, qui fut détruit à cause, notamment, de la désobéissance du peuple. Rappelez-vous que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous devez absolument, je dis absolument, ça c'est moi qui le dis, absolument, préserver votre temple de peur qu'il ne soit détruit. C'est très important. C'est un peu comme une belle maison qu'on vous offrirait gratuitement qui vaut 500 000 euros, mais que vous ne faites jamais le jardin, vous ne reprenez jamais les peintures, vous n'appelez jamais personne pour vous occuper des toitures. De 500 000, elle peut passer à 5 000. C'est pourquoi ce qui est beau peut être détruit, il faut le préserver. Et un des moyens de préserver le temple, c'est forcément l'obéissance. Si je dois faire le jardin, je dois obéir à cette notion de « va jardiner », tel Dieu avait dit à Adam, « occupe-toi du jardin ».
L'obéissance, donc, c'est l'obéissance qui permet de préserver tout ce que vous recevez. Donc, ce temple avait été détruit à cause de la désobéissance du peuple juif. Ils n'avaient pas obéi à Dieu. Les nations étrangères prenaient le dessus. Et bien sûr, bien souvent, ils ont perdu des batailles qu'ils auraient dû gagner. Dieu les dispersant maintes et maintes fois partout, toute la terre. Et la gloire de Dieu partant, quittant des lieux qu'il avait investis et qu'il avait pourtant décidé de rester ici. Alors, quelque temps après, parce que Dieu est un Dieu prophétique et que Dieu veut toujours, en fin de compte, rebâtir sur d'anciennes ruines, parce qu'il est aussi un Dieu de patience et qu'il croit beaucoup en l'homme, il croit beaucoup en sa créature et il croit beaucoup au changement des personnes. Alors, il a encore inspiré certains serviteurs par la suite à venir à nouveau bâtir, construire à nouveau le temple. Il y avait notamment Zorobabel et puis Josué est souverain sacrificateur. Zorobabel a rencontré beaucoup d'opposition quand il a voulu rebâtir le temple avec ses amis. Pourquoi on peut lire aussi dans certains textes, Zacharie notamment, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. C'est-à-dire, en fin de compte, opposition, tu t'es levé devant lui, mais sache que s'il utilise mon esprit, ni sa force ni sa puissance ne réussira, mais s'il utilise mon esprit, il réussira lui-même. C'est pourquoi vous-même, en tant que temple du Saint-Esprit, ne vous battez jamais par votre propre force ni par votre puissance pour essayer de bâtir le temple, mais laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle du temple. Et laissez-le vous bâtir pierre après pierre. Alors, quand ils ont commencé à bâtir le temple, vous savez, il y avait une inscription dans leur cœur. Dis, j'ai une inscription dans mon cœur. Vous savez, Dieu est un Dieu de modèles. Il donne des modèles depuis le ciel. Et l'homme reçoit un modèle sur la terre qu'il doit appliquer sur le plan de l'architecture, sur le plan, en fin de compte, du dessin. Il doit reprendre le modèle pour l'accomplir sur la terre et afin que quand les hommes voient en fin de compte la réalisation, ils ne puissent dire finalement que c'est que Dieu qui a réalisé. Pourquoi nous voyons Moïse récupérer le modèle du tabernacle, le bâtir sur la terre. Nous avons vu Noé aussi bâtir l'arche, pris pour un malade, mais à l'arrivée, beaucoup de gens voulurent à mon avis entrer mais ne purent plus y aller. Donc le Seigneur John donne des modèles, ils sont essentiellement extraordinaires. Donc quand Dieu maintenant envoyait le Saint-Esprit dans, du moins envoyait la pensée de l'Esprit, pas le Saint-Esprit, mais la pensée de l'Esprit dans le cœur de Zorobabel notamment, il a envoyé cette pensée, vous avez un modèle dans votre cœur. Et ils avaient un modèle qui était en fin de compte le modèle premier modèle que Dieu avait établi lors de la construction du temple de Salomon. Ils avaient connu en fin de compte ces choses. Et ils voulaient absolument rebâtir le temple de la même façon. Alors vous savez, souvent ils ont été désespérés. C'est souvent ton cas. Parce que quand tu regardes en fin de compte à ton modèle, tu désespères et tu te dis, mais la parole de Dieu m'appelle à faire tellement de choses et je vois encore tant de désobéissance dans ma vie et alors je me prends à dire je n'y arrive pas. Tu sais, quand tu dis que tu n'y arrives pas, tu n'as pas encore décelé que Dieu est en train de toucher un point culminant de ta vie, celui où tu es en train de lui laisser la capacité d'agir par son esprit. Il est bon d'arriver à des stades, notamment dans la construction du temple qui est là, le tien, où tu ne peux plus. Vous savez, Dieu a déclaré des paroles essentielles, notamment sur le plan de la tentation, où vous savez, nous sommes souvent tentés par beaucoup de choses. Des fois nous chutons, des fois nous relevons. Il y a des situations qui font que nous sommes tentés et nous n'agissons pas de la même manière. Mais c'est quand tu n'y arrives pas, que c'est à ce moment précis que tu dois dire oui, n'aie pas peur de dire je n'y arrive pas. Mais tu dois être assez intelligent pour te rappeler des paroles qui ont été prononcées par Dieu. C'est pas par ma force, c'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit. Quand je me rends compte de mes incapacités, c'est le moment où je me rends compte des capacités de Dieu et que je peux lui laisser l'opportunité d'être capable pour ma vie. C'est bon quand je suis incapable. Alors, quand ils ont vu les choses, ils étaient vraiment, c'était compliqué. Alors, il y a eu des phases. J'aime Dieu, première chose. Dieu va leur dire une chose, c'est pour l'église qu'il parle, le véritable ce soir, pour toi. Il va dire, ne regarde pas, première chose, premier élément, tu dois noter ça. Ne regarde pas à la situation présente. Vous savez, ils étaient dans une situation présente. La situation présente, c'est aujourd'hui. J'ai dit hier quelque chose de prophétique. J'ai dit, Dieu a déclaré sur cette église, elle ne sera pas seulement une église, mais elle va devenir une cité. Dieu n'est pas intéressé que l'église locale seulement vive, parce qu'il veut agir dans toutes les sphères.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi tu es quelqu'un. Écoute-moi, si tu me suis, tu es quelqu'un qui va marquer ta génération. Si tu as décidé de me suivre, tu es quelqu'un qui va marquer ta génération. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si nous regardons la situation présente, nous ne pouvons pas imaginer ce qui va arriver demain. Nous ne pouvons pas imaginer. Et c'est ce qui leur est arrivé quand ils ont regardé la situation présente à cause du modèle qui était établi dans leur cœur et ce qu'ils avaient vu précédemment. Vous savez, souvent nous avons un problème parce que nous voyons à tout ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire ce qui nous a précédé, et ça nous empêche d'entrer dans les visions futures. Personnellement, je ne suis pas prêt à entrer dans ce qui a été fait précédemment avant moi, mais je suis prêt à entrer dans le futur que Dieu a préparé pour moi. C'est pas la même chose. C'est pourquoi je vais être un incompris tant que je vais vivre sur la terre. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas câblé sur ce qui a été fait précédemment, mais je suis câblé sur ce qui va être fait dans le futur. C'est là où je suis câblé. Et donc je ne peux pas, il m'est impossible de regarder à ce que je vois aujourd'hui. Si je regarde maintenant, c'est ce qui leur est arrivé. À cause du modèle qui avait précédé, ils ont commencé à regarder en arrière et ils étaient découragés. Vous savez pourquoi ? Parce que le temple qu'ils étaient en train de bâtir ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient vu. Vous savez, c'est écrit. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Il pose une question tout en sachant, il sait très bien qu'il a vu. Il sait très bien qui parmi les serviteurs l'ont vu. Et puis il sait que le modèle précédent est établi dans leur vie. Et ils sont découragés. Il dit, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il est en train de dire, mais effectivement, ce que je vois maintenant ne ressemble en rien à ce qu'il y avait avant. Mais pas parce que je veux que vous fassiez la même chose. Mais parce qu'en réalité, ce qui va se faire après sera plus grand que ce qui a été fait précédemment. Le texte est prophétique jusqu'au niveau de l'Apocalypse. Parce qu'il est en fait en train de préparer la dimension du règne de Dieu. Et en fait l'immense église qui va se manifester et qui va procéder à l'agenouillement de tous ceux qui verront la gloire de Dieu et qui seront obligés de déclarer l'Éternel est vraiment vivant. Alors, regardez. Il les a encouragés. Il va dire quoi ? Vous ne devez pas voir au présent, j'ai dit, vous devez voir le futur. Regardez bien. Deuxième point, se fortifier ensemble. Dis avec moi, se fortifier ensemble. Il va dire quoi ? Maintenant, fortifie-toi, Bruno. Maintenant, fortifie-toi, Lucia. Tu es là ou pas ? Ah, tu ne m'as pas entendu. Maintenant, fortifie-toi, Ludovic. Tu ne m'as pas entendu. Maintenant, fortifie-toi, Rebecca. Tu ne m'as pas entendu. Maintenant, fortifie-toi, Paul. Tu m'entends ou pas ? Fortifie-toi, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Okay ? Il va appeler le peuple à se fortifier ensemble. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas réussir si nous ne fortifions pas ensemble. S'il y a une seule personne qui se fortifie dans l'église, ce n'est pas suffisant. C'est nous tous ensemble, nous devons nous fortifier. Tu me comprends ou pas ? C'est là où la dimension de l'accord. Nous devons nous accorder pour nous fortifier ensemble. Troisième point, travailler ensemble. Travailler. Dis travailler. Beaucoup d'églises, en fin de compte, croient qu'elles travaillent ensemble, mais elles ne travaillent pas ensemble. Ce n'est pas vrai. Elles ont l'impression qu'elles bossent ensemble, mais elles ne bossent pas ensemble. Vous savez, nous avons prêché sur l'individualisme. Quand l'individualisme est inséré dans le service, les gens les voient travailler, mais en fin de compte, nous ne travaillons pas ensemble. Il faut travailler ensemble, dans la vision. Est-ce que vous me comprenez ? Nous travaillons pour le même objectif, le même but. Donc, c'est main dans la main. C'est pourquoi il va dire maintenant, regardez bien, et travaillez. OK ? Il va préciser, quatrième dimension, je suis avec vous. C'est ça qui est essentiel. Vous ne pouvez pas travailler ensemble si Dieu n'est pas avec vous. Mais force est de constater que Dieu t'a déjà prouvé qu'il est ici et qu'il est à tes côtés. Tu dois donc croire qu'il est là chaque jour. Et si nous décidons de travailler ensemble, à cause de sa présence qui va être au milieu de nous, nous allons faire un travail extraordinaire. Cinquième dimension, la fidélité de l'alliance à la sortie de l'Égypte. Il va dire quelque chose pour innover dans le cœur. Dis au Seigneur, innove dans mon cœur. Il va dire quelque chose, c'est fort, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite, oui, avec vous. Pourquoi ? L'alliance que j'ai faite quand vous êtes sortis d'Égypte. Quand en fin de compte, ils ont quitté l'Égypte, Dieu avait fait alliance avec eux. Et comme toi aussi, tu as quitté ton Égypte, c'est-à-dire ton ancienne vie, Dieu a fait alliance avec toi. Et il a fait quoi ? La première alliance qu'il a faite quand tu es sorti d'Égypte, il a dit, j'ai une promesse qui t'est accordée, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et il a déclaré, la promesse est donc pour toi, pour tes enfants et pour ceux qui sont loin. Regarde bien, la parole n'est pas passive, mais elle est prophétique au niveau du futur.
Parce que Dieu ira jusqu'au culot de dire que malgré que toi, tu n'as pas encore vu la conversion de tes enfants, il déclare déjà sur leur vie qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il ira jusqu'à déclarer que tous ceux qui te connaissent et qui sont loin de toi seront aussi touchés par l'Esprit de Dieu. Il a donc fermé l'alliance à ce niveau en disant qu'à partir du moment où tu as fait alliance, tu es sorti d'Égypte, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Il te rappelle à nouveau qui est en toi et quelle alliance il a formulée avec toi. Le rappel de l'alliance motive à nouveau les troupes et permet vraiment à tous, à tout un chacun, d'agir ensemble dans l'accord. Enfin, sixième dimension, la présence de l'Esprit de Dieu, une assurance de Dieu qui veut dire zéro crainte. Elle se situe au verset 5, « Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Vous savez, beaucoup de gens parmi nous, vous êtes motivés, vous allez sortir, mais certaines attaques vont vouloir vous faire peur. Eh oui. Mais Dieu dira, à cause de la présence qui est là au milieu de vous, vous ne devez rien craindre. Alléluia. Ne craignez personne, ne craignez rien. Est-ce que vous me comprenez? Septième point, la dimension de l'ébranlement. J'aime ça aussi. Regardez ça. Dieu va dire verset 6, ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je vais ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Je vais ébranler les nations. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui va amener la huitième dimension? Les trésors des nations vont venir à vous. Tu ne m'as pas entendu. Les trésors des nations vont venir à vous. Ça, c'est prophétique. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faut comprendre que Dieu veut vous installer dans le monde pour que vous puissiez travailler et utiliser l'or et l'argent que les nations ont récupéré depuis trop longtemps et qui doivent vous revenir. Dieu dit donc qu'il utilise un moyen. C'est pourquoi je crois à cette église et aussi dans la dimension de la cité. Qui va faire quoi? Qui va ébranler en fin de compte certaines choses dans ce pays. Il faut un moment que l'évangile ébranle certaines choses. Et il a commencé. Et donc quand il va ébranler, il va commencer à ébranler certaines choses. C'est très prophétique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui vont nous revenir. C'est pourquoi je peux te déclarer au nom de Jésus aujourd'hui qu'il y a des choses qui vont arriver qui n'étaient pas dans ta main, qui étaient dans la main d'un étranger, mais que l'étranger est en train de sentir maintenant. Je déclare, sa main est en train de trembler maintenant et ce qui t'appartient va te revenir sur la parole de l'Éternel. Je déclare l'ébranlement des choses qui te reviennent pour chasseler au nom de Jésus. C'est important. Dieu avait voulu les conforter. Dieu avait voulu les conforter à partir des projets qu'il a mis dans leur cœur et surtout leur faire comprendre que l'or et l'argent lui appartient. Ça, c'est fort. C'est ce qui arrive, je crois, en 9e position. L'or et l'argent. Il va dire, l'or et l'argent est à moi. Allô, je parle à quelqu'un. L'argent, c'est tout le problème. Regardez, je crois qu'ils avaient des problèmes pour construire. C'est ce qui est écrit théologiquement. Les moyens n'étaient pas là. Mais alors, en relisant ce texte, Dieu m'a encore conforté. Et Dieu en disant l'or et l'argent à moi était déjà en train de conforter Zorobabel en lui disant ne t'inquiète pas, l'or est dans ma main, l'argent est dans ma main. À partir du moment où Dieu te donne la vision, c'est qu'il va pourvoir à tes besoins. Et il a déjà fait ici depuis longtemps beaucoup de choses et il va encore le faire. C'est pourquoi vous-même aussi, vous devez croire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que donc l'or et l'argent vont vous revenir en fonction des projets que Dieu a mis sur vos cœurs afin que vous y accédiez. Je ne crois pas que Dieu te dise « Construis une maison qui vaut 150 000 euros et qu'il te donne 10 euros. » Je n'y crois pas du tout. Mais je crois que si Dieu te dit « Construis une maison de 150 000 euros, il permettra que tu aies un travail qui te permette de le payer. Il permettra que tu aies une entrée d'argent qui te permette de le payer. » C'est pourquoi je crois sur ta vie que si tu obéis, tu réussiras. C'est sûr. Et enfin, dernier point qui est important, il va dire quelque chose, la gloire et la paix, la gloire et la paix, la gloire et la paix. Il va dire qu'en fin de compte, sa gloire va venir dans le temple à partir de ce moment-là, mais surtout qu'il y aura une paix indéfectible, c'est-à-dire une paix extraordinaire que personne ne peut donner, une paix qu'on ne peut pas trouver. Et c'est là où je vais arriver avec toi. Mes amis, vous allez voir que quand vous allez entrer dans cette dimension, il y a une paix qui va vous pourchasser. La paix est déjà là maintenant, tu la sens. Elle est là. Mais ce que Dieu veut, c'est que quel que soit où tu es, c'est pas seulement l'église, la paix t'accompagne. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas la gloire. Et la gloire ne vient qu'à partir du schéma que je viens de vous prononcer. Vous devez croire. Croyez fermement en tout ce que Dieu a promis sur votre vie. Croyez, dis-moi je crois. Amen. Croyez. On va se lever. Amen. On va terminer sur ça ce soir. Alléluia.